السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. هاد لا فيديو هادي غادي نهضروا على لو كوب فيربال. لو كوب فيربال من السميه ديالو كيبان لينا بلي غادي يكون فيه ان فيرب غروب فيربال. غروب فيربال دونك هنا غادي يكون فيه فيرب كما درت بين قوسين، دونك سيتادير فيرب بلس ان كومبليمون. فيرب بلس ان كومبليمون du verbe. Ça veut dire quoi? Un complément du verbe, yani hadak li kikmelina le fil, kikmelina sharh dial le fil. Donc ghadi nkteb ma3koum misal. Lahdou maya. Donc Sarah regarde. Sarah regarde. Illa qulna Sarah regarde, wesh le ma3na dial le jumla mfhoum? Wesh kanarfou Sarah chnou katchouf? Sarah regarde au dernier point. واش مفهومه هذه الجمله؟ واش المعنى ديالها يعني مكمول؟ لا. Sarah regarde كي خصنا واحد الحاجه، هذه الحاجه هذه اللي خصنا نزيدوها هنا هي le complément du verbe. هي complément du verbe. Où est le verbe ici? Sarah regarde. Donc le verbe c'est regarde. Le verbe regarder. Regarde quoi ou bien regarde qui? يعني خصنا واحد الحاجه هنا باش نكملو المعنى ديال الجمله. هاد الشيء اللي كيخصنا هنا سميتو كومبليمون دو فيرب. كومبليمون ديال لو فيرب. دونك اون فا ايكريغ سارا روغارد لا تيلي. دابا المعنى ديال الجمله مفهوم. سارا روغارد لا تيلي. دونك لا تيلي هنا هي لو كومبليمون دو فيرب. La télé, il y a le complément du verbe. Ou le verbe, c'est clair, c'est regarde. Ça, c'est le verbe. Et l'autre, c'est complément du verbe. Bien. Si on veut poser la question, Sarah regarde quoi? Pour les choses, on dit quoi? Sarah regarde quoi? Sarah regarde la télé. Maintenant, Brina Duro, qui? Sarah regarde qui? Par exemple, une personne. Sarah regarde Fatine. Sarah regarde Fatine. Où est le verbe? Le verbe, toujours, c'est regarde. Ça, c'est le verbe. Et le complément ici, c'est Fatine. Très bien. Donc, le complément du verbe, c'est Fatine. Sarah regarde qui? Sarah regarde qui? Fatine ici, c'est une personne. Donc, on dit Sarah regarde qui? Elle regarde Fatine. Donc, complément du verbe ici, c'est Fatine. Complément du verbe. Bien. Complément du verbe. Le complément du verbe peut être quoi? Peut être la télé, c'est quoi? La télé. On a deux choses. La télé. Là, c'est quoi? C'est déterminant. Plus non. Déterminant plus non, c'est un groupe nominal. Très bien. C'est un groupe nominal. Groupe nominal. Je vais écrire. Donc, la télé, c'est un groupe nominal. Maintenant, Sarah regarde Fatine. Fatine, c'est quoi? Est-ce que c'est un groupe nominal? Non, ce n'est pas un groupe nominal. Donc, c'est un nom. Nom propre, c'est un nom. Très bien. Je nous constate d'abord le complément du verbe imkiniko, groupe nominal, et par un groupe nominal, ou bien un nom. Sarah regarde quoi? Sarah regarde la télé. La télé, c'est un groupe nominal. Sarah regarde Fatine. Fatine, c'est un nom. Sarah regarde qui? Qui, c'est pour les personnes. Quoi? C'est pour les choses. Donc, le complément du verbe peut être un groupe nominal ou bien un nom. Maintenant, si on veut entourer le groupe verbal. Sarah regarde la télé. Le groupe verbal, ça veut dire quoi? Ça veut dire verbe plus un complément du verbe.
Oui, le verbe ici, c'est regarde. Et le complément du verbe, c'est la télé. Donc, le groupe verbal ici, on commence par le verbe jusqu'à la fin de la phrase. Donc, regarde la télé, c'est le groupe verbal. Regarde la télé, c'est le groupe verbal. C'est le verbe plus complément du verbe. La deuxième phrase, ça regarde Fatih. Donc, on commence toujours par le verbe et jusqu'à la fin de la phrase. Donc, regarde Fatih. Regarde verbe et Fatih, c'est un complément du verbe. Regarde Fatih, c'est le groupe verbal. Verbe plus un complément du verbe. نتقلوا لمثال آخر. On a ici les enfants rangent leurs affaires. Les enfants rangent leurs affaires. Donc, on va déterminer d'abord le verbe. Où est le verbe ici? Le verbe c'est range. Très bien, les enfants rangent. Ça c'est le verbe. Pour trouver le complément du verbe, on pose la question. Les enfants rangent quoi? Les enfants rangent quoi? Les enfants rangent leurs affaires. Les enfants rangent leurs affaires. Donc, le complément du verbe ici, c'est leurs affaires. Complément du verbe. On va entourer maintenant le groupe verbal. On a dit, le groupe verbal, c'est quoi? C'est le verbe plus complément du verbe. Où est le verbe? Voilà, range. Complément du verbe, leurs affaires. Donc, c'est les deux. Verbe plus complément du verbe. Verbe plus complément du verbe. Donc, range leurs affaires. La phrase B. Vous embrassez vos parents. Vous embrassez vos parents. Où est le verbe ici? Vous embrassez vos parents. Le verbe c'est embrasser. Très bien. Le verbe ici c'est embrasser. Le complément du verbe. Vous embrassez qui? Vous embrassez qui? Vos parents. Vous embrassez vos parents. Donc, pour trouver le complément, on pose la question qui? Vous embrassez qui? Vos parents. Donc, vos parents, c'est complément du verbe. Bien. On va entourer le groupe verbal. On a dit le groupe verbal, c'est verbe plus complément. Verbe plus complément du verbe. Embrassez vos parents. Embrassez et vos parents, c'est le groupe verbal. On commence toujours par le verbe. Et voilà. Qu'est-ce que le groupe verbal. Donc, le groupe verbal, c'est quoi? C'est le verbe plus complément du verbe. Le verbe plus le complément du verbe. Pour trouver le complément du verbe, on pose la question qui ou bien quoi? Les enfants rangent quoi? Leurs affaires. Leurs affaires, c'est complément du verbe. Vous embrassez qui? Vous embrassez vos parents. Vos parents, c'est complément du verbe. Et le groupe verbal, verbe plus complément du verbe. Les deux choses. On n'entoure pas le verbe seulement ou bien le complément du verbe seulement. Les deux. Verbe et complément du verbe. Verbe et complément du verbe. Donc, قبل ما ندوزو للتمارين بغيت ندير واحد الريزومي واحد الخلاصه ديال الدرس. Donc, كما قلنا le groupe verbal هو verbe plus un complément du verbe. وقلنا هذا le complément du verbe الا بغينا نعرفوه فينا هو في الجمله فكنبوزيو ولا كنطرحو السؤال ديال qui c'est pour les personnes ou bien quoi. Regarde qui Sarah regarde quoi? La télé. Bien. Et on a dit que complément du verbe peut être un groupe nominal
Déterminant plus nom. Groupe nominal comme la télé, le garçon, la fille, la table, le chat. Voilà. Groupe nominal. Déterminant plus un nom. Il peut être un nom. Chi, ici. Donc, groupe verbal. Verbe plus complément du verbe. Le groupe verbal, le verbe et le complément du verbe. Juste le wesh. Si je dis par exemple souligner le complément du verbe, tu poses la question qui ou bien quoi et tu soulignes. Peut-être un groupe nominal ou bien un nom. Deux étapes de la Donc, on va souligner avec le verbe bleu, le complément du verbe et le groupe verbal. On va entourer le groupe verbal en rouge. C'est bon. Je vais lire la première phrase. La maîtresse raconte un beau conte. La maîtresse raconte un beau conte. Bien. Où est le verbe ici? La maîtresse raconte un beau conte. Que fait la maîtresse? La maîtresse raconte. Très bien. Donc, on va souligner raconte avec le verbe. Bien, ça c'est le verbe. La maîtresse raconte quoi? La maîtresse raconte quoi? La maîtresse raconte un beau quoi? Un beau conte. Très bien. Donc, la maîtresse raconte un beau conte. Complément du verbe. Un beau. La maîtresse raconte un beau. Ma femme un beau quoi? Conte. Yani, le complément du verbe est conte. La maîtresse raconte un beau conte. Maintenant, où est le groupe verbal? Où est le groupe verbal? Gelna, le groupe verbal, le verbe plus le complément du verbe. Où est le verbe? Raconte. Où est le complément du verbe? Un beau conte. Yani, علاش غادي ندورو؟ غنبداو من le verbe, من raconte. Raconte un beau conte. C'est bien? Très bien. Raconte un beau conte, c'est le groupe verbal. La deuxième phrase. Mes amis font une belle promenade. Mes amis font une belle promenade. Donc, où est le verbe? Font. Très bien, c'est le verbe faire. Donc, font, c'est le verbe. Où est le complément du verbe? Que font mes amis? Font quoi? Une belle quoi? Une belle promenade. Une belle promenade. C'est complément du verbe. Bien. Maintenant, je veux le groupe verbal. Si le verbe plus le complément du verbe. Voilà le verbe. Je commence par le verbe. Et le complément du verbe. Voilà. Font une belle promenade. Très bien. Donc, c'est le groupe verbal. La troisième phrase. Les mamans aiment leurs enfants. Donc, où est le verbe? Les mamans aiment. Très bien. Ça, c'est le verbe. Où est le groupe verbal? Les mamans aiment qui? Les mamans aiment leurs enfants. Donc, leurs enfants, c'est le complément du verbe. Et le groupe verbal, toujours, c'est le verbe plus le complément du verbe. Voilà. La dernière phrase, il ouvre. Il ouvre. Où est le verbe? Ouvre. Très bien. Où est le complément du verbe? Est-ce qu'il y a un complément du verbe ici? Non. Il ouvre quoi? Il ouvre quoi? Il y a juste un point. Il ouvre quoi? Est-ce qu'il y a un complément du verbe ici?
Non, très bien. Donc, il n'y a pas de complément de verbe. On va entourer maintenant le groupe verbal. Est-ce qu'on va entourer le groupe verbal? Non. Pourquoi? S'il n'y a pas de complément du verbe, ça veut dire qu'il n'y a pas de groupe verbal. Il y a juste le verbe. Donc, cette phrase n'a pas de complément du verbe, donc on ne va pas entourer le groupe verbal. Cette phrase n'a pas le complément du verbe, يعني ما غاديش ندور على le groupe verbal. حيتاش le groupe verbal fait جوج حوايج, fait le verbe ou fait le complément du verbe. خاصنا le complément du verbe هنا, يعني ما غاديش نقدروا نلقاو le groupe verbal حيتاش عندنا غير le verbe. خاصنا جوج حوايج اللي هو le verbe et le complément du verbe. Le verbe, complément du verbe. Verbe, complément du verbe. Verbe, complément du verbe. يعني هاد الجملة ما غاديش نجاوب عليها حيتاش ما كاينش لو كومبليمون دو فيرب. إلا درنا اوفر لا بورت تري بيان اوفر لا بورت دونك ici اوفر كوا اوفر لا بورت لا بورت سي لو كومبليمون دو فيرب. Maintenant on va entourer le groupe verbal. Ouvre la porte. Complément du verbe. Ça y est? دونك كان هذا هو الدرس ديالنا, فكنتمنى انكم تفهموه وانني شرحته بطريقه سهله, والاهم انكم جاوبتوا على التمرين قبل ما نجاوب عليه. فإلا عندكم اي تساؤل مرحبا كتبوا لي في التعليق وانا ان شاء الله غادي نجاوب عليه. الى فيديو اخر ان شاء الله.